la protection contre une irradiation externe. C'est basé sur l'utilisation de gants de latex en ingérence radioactive. Non. Les gants de latex, ça ne protège rien. Il faudrait des gants au plomb, éventuellement. Ah ben, les gants de latex, c'est contre la contamination, non pas contre l'irradiation externe. Le confinement, donc la protection contre l'irradiation, est basée sur le confinement des radiopharmaceutiques dans des flacons en verre. Oui. La réduction du temps, donc on ne va pas confinement dans des flacons en verre, hein, ça peut être d'autres flacons, mais l'essentiel c'est de ne pas mettre ces flacons sur la paillasse comme ça. Vous pouvez les mettre également dans des protèges. Flacons au plomb. La réduction du temps d'exposition au rayonnement ionisant, oui, ça c'est général. L'utilisation d'un film dosimètre. Alors, c'est quoi le confinement de la. Des radios pharmaceutiques dans des flacons, c'est pour éviter qu'ils se dispersent. Et donc, le flacon de verre ne protège pas contre l'irradiation du flacon. Et que le 144, il va vous irradier. Donc, vous ne vous protégez pas. Le B, vous ne le prenez pas. Hein. Le B, c'est bon. La réduction du temps d'exposition aux rayonnements ionisants. Oui, encore. L'utilisation de films dosimètres. Le film vous donne une idée de la dose reçue, mais il ne vous protège pas. Ça ne protège pas, donc on ne prend pas. L'interposition de l'écran atténuant, oui. Donc finalement, la radioprotection des patients utilisant un examen, subissant un examen radiologique est basée sur. Ça, c'est la vie pour les patients, non pas aux manipulateurs ni aux médecins. La radioprotection des patients. La justification de la radiologie. Et après, ça, c'est la même chose. L'équipement du patient par un film dosimètre. Non. Parce qu'il va être dans le champ. Il va être bien irradié. Donc ça ne sert absolument à rien. Et ça ne protège pas. L'injection de produits de contraste. On peut utiliser le produit, mais ça ne protège pas le produit de contraste. Au contraire, il peut faire des réactions secondaires. La réduction des milliampères secondes. La réduction des masses. Vous prenez, vous laissez. Il vous passe. Les milliampères secondes, je vous ai dit, en vous présentant les caractéristiques physiques des radiations ionisantes, que lorsqu'on prend une image radiologique, il y a le paramètre ampère qui va nous donner le nombre de photons, qui va nous permettre d'avoir une bonne image, bien visible, et les millisecondes qui vont être le temps, qui va être le temps d'exposition du sujet. Donc vous imaginez, plus vous avez de photons par les ampères, et plus vous mettez le sujet à l'irradier, et plus il reçoit. Donc si vous réduisez les milliampères secondes, vous réduisez, vous protégez le patient. Vous voyez, alors, si vous réduisez un petit peu, alors madame Hesh, c'est donc une question. Hein. Si vous n'avez pas d'idée, vous passez. Vous revenez après. Je répète. Les milliampères, c'est indirectement le nombre de photons X que je vais avoir dans mon faisceau. Plus j'ai de milliampères, c'est-à-dire plus j'ai d'électrons qui vont battre, plus j'ai des milliampères. Et plus j'ai de photons, plus j'y réagis. Et plus je reste devant ce faisceau, plus je suis irradié. Donc milliampères secondes, c'est deux paramètres qui augmentent le risque d'irradiation. Si je les augmente les deux. Donc si je veux le protéger, je dois réduire les milliampères secondes. Ok ? C'est un bien d'accord. La limitation de la dose efficace à 2 millisieverts. Pourquoi je choisis 2 millisieverts ? Tout simplement parce que on a la limite de 200 millisieverts. Mais 2 millisieverts, qu'est-ce que je vais avoir comme image ? Rien du tout, même pas une radiothorax. Donc, rappelez-vous, la dose naturelle annuelle, c'est de 2,4 millisieverts. Donc, 2 millisieverts, c'est même du tout. Si on arrive à l'utiliser, oui, mais ça ne correspond absolument aucune image, même pas une radiothorax. La radiothorax, c'est aux alentours de 25 millisieverts. Alors, les normes de radioprotection, il y a trois catégories de personnes. Il y a les catégories A, qui sont les personnes habilitées
et ont choisi de travailler sur les atomiques. Ils sont des médecins radiologues, des radiothérapeutes, des médecins nucléaires, des techniciens qui travaillent avec eux. Il y a des catégories. Ceux qui sont dans le pool de ces services, mais qui n'ont rien à voir avec les radiations vivantes, à savoir les secrétaires, les auxiliaires médicaux, la louvrière qui les voit, et enfin le public. C'est la personne qui vient accompagner un malade. Le malade, lui, va être. C'est une irradiation conservée. On a dû justifier, optimiser et limiter. Justifier, optimiser et limiter. Alors que le public, la personne qui vient accompagner, il faut bien entendu en venir. Alors, on a les catégories. Et pour chaque catégorie, on va avoir donc des normes. Mais n'est-ce pas les normes de l'IRANCO, ce sont des normes qui sont anciennes. C'est le cours, peut-être comme le cas de 50 millisieverts. Pour les catégories A, c'est 20 millisieverts par an, sans dépasser 100 millisieverts en 5 ans. Si accidentellement quelqu'un a pendant 2 ans reçu 100 millisieverts, c'est terminé. Il ne va plus travailler pendant les 3 années restantes sous les moyens minimes. Oui, monsieur, avez-le de nos services. Voilà, il était un technicien supérieur, où il y a un travail administratif. Vous voyez, il y a une catégorie A et une catégorie B. Pour une femme en âge de progrès et qui travaille dans soit médecin, soit résident, soit interne, les internes ils sont plutôt dans la catégorie B. Alors, parce que c'est pour les protéger, ils ne sont pas en droit, ils n'ont pas choisi leur carrière. Ils n'ont pas choisi leur carrière, vous ne pouvez pas leur imposer cette irradiation. Il faudrait veiller à ce qu'ils soient moins irradiés. Alors, la femme en âge de progrès, c'est 13 millisieverts par trimestre, à ne pas dépasser. 13 millisieverts à ne pas dépasser. Pendant, sans dépasser, 10 millisieverts, malgré tout, les 13 millisieverts, il ne faut jamais les dépasser pendant un trimestre. Jamais. Mais la limite pendant les 9 mois de grossesse, c'est 10 millisieverts. Maintenant, si pendant un trimestre, elle a comptabilisé 13 millisieverts, c'est terminé. La règle de la grossesse, au matin, au retard, quand ils sont là, elles sont protégées, elles ne font rien avec la radioactivité, elles ne sont pas tuées en contact et ils ont toujours 0 millisieverts dans leur profil dosimètre. Pour les extrémités, quand on manipule avec dans la préparation des clôtures radiographiques, où on a les mains dans le champ, comme c'est le cas, par exemple, des radiologues, des cardiologues, des radiologues qui font de la radiologie interventionnelle, ils sont obligés d'avoir des balles ou bien des bracelets qui nous donnent la quantité de rayonnement, parce qu'ils ont les mains dans le champ. Et là, on est beaucoup plus laxiste, on accepte qu'ils ne soient pas 500 millisieverts par an, parce qu'ils sont beaucoup moins sensibles, nos mains, par rapport à nos organes d'une manière générale, sans dépasser 300 millisieverts par an. Alors pour le cristallin, là on est un peu plus vigilant, 650 millisieverts par an. Alors est-ce qu'il faut retenir ces chiffres? À mon avis, non. Vraiment, si quelqu'un il va vous demander de citer des cas, donner les doses, les limites de doses des DATR, pour ça, c'est vache. Un a au moins une valeur, c'est celle-là. D'un millisievert, pour les personnes, les radiologues, les médecins nucléaires, les cardiologues, les orthopédistes, etc., ceux qui utilisent les radiologues. Alors, les catégories B, je vous l'ai dit, il s'agit, c'est les techniciens, c'est les internes, c'est les techniciens supérieurs pour l'apprentissage, qui viennent dans les services pour apprendre. C'est la secrétaire qui peut être amenée à rentrer dans les salles des hommes, donc surveillées et contrôlées. C'est le 3/10 des catégories A. Donc il y a un homme. Là, le 3/10, ça va être 6 millisieverts par an. En plus de la dose reçue annuellement par la nature qui est de 4 millisieverts. Le public,
C'est un dixième, pas plus. Malgré cela, une salle d'attente. Il faut que le débit de dose soit tel que qu'il soit inférieur, comme on l'a dit, à 2,5 microsieverts par heure. Comme ça, on peut assurer au public une bonne radioprotection. Donc là, c'est général. Vous voyez une question comme ça, c'est plutôt acceptable. Maintenant, pour les équivalents, la limite de dose adoptée en radioprotection pour les catégories B, comme 6 millisieverts, c'est-à-dire là, c'est le 3 dixième de 20 millisieverts. Donc dans le H, alors 1 millisievert par an pour le public, oui. Oui, 1 millisievert. Allez, pour le médecin, c'est 150. Donc, pour 100 millisieverts par an, pour le travail de catégorie A, non. Et pour le public, pas de problème. Un dixième de deux. De 20. Bon, c'est-à-dire que si on peut dépasser le 1 millisievert, je ne sais pas quelle est la réponse. Il n'y a aucune bonne réponse. Ah d'accord, avec une erreur de pas, on va 250 pour cette fois. Bon, il n'y a aucune bonne réponse. Cristallin pour les extrémités. Pour les extrémités. Mais je ne la mettrai pas cette question. Je considère que j'ai. Parce que là, je me suis dans la. Pour la suite, la radioprotection du public comprenait en moyenne une sorte d'agrément informé. De la chute et le recours dans le service de radiologie. Oui, tout à fait. De contre les écrits, bien de passer les femmes enceintes. Si vous considérez que le diagnostic positif d'une pneumonie d'ovaire et radiologique, vous devez le faire parce que la thérapeutique est obligatoirement liée au diagnostic positif. Il s'agit quoi? Parce qu'elle a un examen ou elle sait qu'elle est enceinte, avec quoi vous allez faire le diagnostic? Je vous ai dit, c'est 20 microsieverts. C'est rien du tout, 25 microsieverts. C'est rien, à condition de protéger le ventre de la maman par le tablier au. Alors, ce tablier, il ne la protège pas de diffuser. Elle va recevoir des rayons diffusés qui viennent du thorax. Mais ça va la protéger dans les fuites si jamais la limitation du champ n'a pas été bien limitée par le technicien. Donc vous allez limiter par l'auteur du trixouille. Donc il faut protéger le ventre, sinon ce n'est pas contre-indiqué. D'interdire l'accès aux salles de radiologie au public, même si le tube AMX est à la. Non, là, il y a tellement d'arrêt, il y a absolument de l'arrêt. Il y a la. Par contre, s'il travaille, s'il est invité parce qu'il s'agit de la radio de l'enfant et que l'enfant est agité, c'est seulement la maman qui peut le gagner. Alors vous êtes obligé de partir à la vie et demander au parent de la dose. Deux effets de débit de dose, c'est efficace en moins de 7,5 microsieverts par heure dans la salle d'attente. Oui, c'est-à-dire qu'on est à l'ouvrir. Dans la hiérarchie des hommes intérieure à 7,5. De faire porter les techniciens des films d'osimètre. Non. On ne le protège pas, on surveille son irradiation, mais on ne le protège pas par les films d'osimètre. Donc voici les bonnes réponses.